Croix-Rouge Malagas, désinfection des salles d'examen. Les préparatifs pour la tenue des examens du CPE le mardi 1er septembre prochain vont bon train. Des mesures sont prises pour protéger les élèves, rassurer les parents et éviter la propagation du virus dans les salles d'examen. La Croix-Rouge Malagas a ainsi procédé depuis hier à la désinfection des centres d'examen du CEG Antanmin, de Nansan, de Timazaz et du lycée Ampéflou. L'objectif principal de les activités qu'on a fait aujourd'hui, c'est de porter en main forte au ministère de l'eau et assainissement, le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de la préparation de l'examen CPE, surtout dans les circonscriptions de Cisco de Tanaville. Actuellement, notre intervention est basée sur la désinfection des salles de classe. En total, durant notre intervention, on a fait environ 300 salles de classe à désinfecter. Donc, pour nous, l'objectif est de sécuriser les enfants qui vont faire l'examen de CPE sur la menace et la propagation de la COVID-19. La Croix-Rouge Malagas se dit prête à intervenir en cas de besoin et mobilisera une équipe de premiers secours durant les épreuves. Lalaina Ramanantoun, chef Cisco d'Antananarivo, n'a pas manqué de préciser que la distribution des convocations pour les épreuves du CPE a commencé hier auprès des établissements scolaires. Les candidats, eux, pourront visiter leur salle d'examen soit ce dimanche, soit le lundi pour être à l'heure le jour J.